deux parents aimants retrouvés morts dans leur maison, tués chacun par un coup de feu. Je n'aurais jamais pensé qu'une chose aussi terrible et inimaginable puisse arriver à une famille si charmante. S'agit-il d'un meurtre suivi d'un suicide ou d'une exécution calculée ? La personne que nous recherchions était très au fait des questions médico-légales. Cela a rendu notre enquête très difficile. Ce que nous savions de cette famille et ce que nous avons trouvé sur les lieux ne concordaient pas. 3 mois plus tôt, le fils adulte du couple décédé avait été salué comme un héros pour avoir sauvé son neveu et son père d'une voiture submergée. Alors que cette famille très unie avait survécu à cet horrible accident de voiture, elle allait bientôt être déchirée à jamais. Qu'une telle chose soit arrivée à des personnes si charmantes, c'est choquant. C'est abominable. Y a pas pire. Une enquête policière complexe conduira finalement les détectives à un suspect principal surprenant, poussé à la dépravation par l'appât du gain. Personne ne devrait mourir ainsi. Je n'ai jamais rien vu d'aussi horrible. L'une des tâches du pathologiste est de déterminer la cause du décès. À regarder sur votre mobile ou sur grand écran. Tout cela gratuitement, sans abonnement. Téléchargez Veli maintenant. Timperley à Altrincham, dans le Cheshire, un village de banlieue à la limite sud de Manchester. Timperley est un petit village situé à la périphérie du Grand Manchester, près de la ceinture du Cheshire. C'est une zone où la criminalité est faible. Robert et Patricia Seddon, qui se sont mariés en 1966, s'y sont installés pour élever leur fils Stephen et sa petite sœur Leslie. Bob a travaillé pour British Airways dans la maintenance au sol. C'était quelqu'un de joyeux. Il effectuait toutes les tâches que nous faisions à l'époque. Remettre l'avion en place, le guider, et faire le plein. Bob faisait tout ce qu'il fallait. Je sais que Pat faisait le ménage. Bob me disait tout le temps qu'il n'avait pas à s'en inquiéter parce que quand il rentrait, la maison était toujours propre. Ils travaillaient dur, mais ils aimaient aussi avoir du temps pour eux. C'est pourquoi ils recevaient des amis pour jouer aux cartes à la maison. Et ils le faisaient régulièrement. Ils aimaient cela. Le passe-temps favori de Bob était le boulingrin. Il adorait y jouer. Il ne parlait que de ça. Bob était plutôt réservé, mais il parlait de sa famille. Il l'aimait profondément. En 1975, alors que Leslie avait environ 7 ans, elle est tombée malade. Son état s'est détérioré et elle a commencé à avoir des convulsions. Les médecins ont diagnostiqué une épilepsie. Bob aimait ses enfants, mais il avait un lien particulier avec Leslie. Il m'en parlait tout le temps. En grandissant, Leslie s'est bien adaptée à sa maladie. C'était quelqu'un de souriant. C'était une fillette charmante et joyeuse. En revanche, l'aîné des enfants de Bob et Pat, Stephen, a connu une adolescence difficile. Il avait de mauvaises fréquentations. En grandissant, Stephen a commencé à se lier d'amitié avec des personnes qui commettaient des délits mineurs. Il volait par exemple des vélos ou des bricoles dans les maisons. Et oui, il a eu des problèmes avec la police. Pat et Bob ont eu du mal à maîtriser Stephen. Leslie demandait beaucoup d'attention pour l'aider avec ses crises d'épilepsie. Stephen, à l'époque, n'aimait pas cela et a décidé de prendre ses distances. Le fait que Stephen commette constamment des infractions lui a valu de plus en plus d'ennuis avec la police. Ce qui n'était pas du goût de Bob. Même si Stephen s'était trompé de voix à l'époque, Pat était très proche de lui. Stephen, qu'as-tu fait ? Viens ici. Elle lui aurait tout pardonné. En 1987, Bob et Pat ont eu l'occasion de devenir propriétaires. La mère de Bob venait de décéder. Elle vivait à côté, à Sale. Désireux de garder la maison dans la famille, Bob et Pat ont décidé de l'acheter.
Leslie a également déménagé avec ses parents. Stephen, âgé d'une vingtaine d'années, a emménagé dans un appartement à Manchester. Lorsque Stephen a atteint l'âge de 20 ans, il a semblé commencer à changer de vie en se lançant dans le monde des affaires. Avec un ami, il a décidé de créer une société de conseil. Bonne journée. Et les affaires semblaient aller de mieux en mieux. Encore un client content. Une bonne journée de travail. Bob et Pat étaient ravis de voir que son affaire roulait. Bob et Pat étaient très fiers de ce que Stephen avait accompli. Bob me disait qu'il avait quelques belles voitures, ce qui me rendait un peu jaloux. Son entreprise consistait à contacter des petites sociétés et à leur proposer de trouver des subventions européennes et nationales pour un montant initial de 300 livres sterling. L'entreprise a connu un tel succès qu'après seulement 2 ans, 5 millions de livres sterling avaient été collectés en frais initiaux. Vous ne serez pas déçus. En 1996, la chance continue de lui sourire alors qu'il rencontre une jeune femme dans une boîte de nuit de Manchester. La romance a continué et le couple n'a pas tardé à planifier une nouvelle vie ensemble. Stephen et sa nouvelle compagne ont déménagé au nord-est, là où vivaient la famille et les amis de cette dernière. Bien qu'il soit triste que Stephen vive désormais plus loin, Pat et Bob s'occupent d'un nouvel arrivant, Daniel, le fils de Leslie. Mais alors que les nouveaux grands-parents profitaient joyeusement de leur début de retraite commune, ils n'auraient pas pu prévoir le terrible accident qui les attendait. En 1996, Bob et Pat Seddon vivaient à Sale, une banlieue verdoyante au sud de Manchester. Leur fille de 20 ans, Leslie, atteinte d'épilepsie, vivait dans la maison familiale et avait récemment donné naissance à un fils, Daniel, né avec de graves difficultés d'apprentissage. Le fils aîné du couple, Stephen, s'était désormais installé dans le nord-est avec sa femme. Ils fondèrent leur propre famille et l'activité de conseil de Stephen prospérait toujours. L'entreprise de Stephen a décollé et fonctionnait très bien. Il avait l'air de bien s'en sortir et a fini par devenir une figure dans le monde des affaires. Bob et Pat n'auraient pas pu être plus fiers. Mais tout n'était pas si rose. Bonjour, Stephen Seddon est là. Qui êtes-vous ? Norme commerciale. Il n'est pas là pour le moment, il vient de sortir. Dites-lui que nous devons lui parler. C'est urgent. Je lui dirai. Merci. À la fin des années 90, les normes commerciales britanniques ont mené une enquête qui a permis d'établir que Stephen exerçait une activité commerciale frauduleuse. Nous ferons cela pour vous et vous ne serez pas déçus. Après avoir promis de trouver des subventions pour les entreprises, Stephen et son partenaire ont gardé les 300 livres sterling de frais initiaux que chaque entreprise leur avait versés, sans rien faire en retour. Stephen était très persuasif. Il pouvait vous faire croire tout ce qu'il voulait. Et quand il disait quelque chose à ses parents, ils le croyaient. En mars 2000, à la Teesside Crown Court, Stephen a été reconnu coupable de commerce frauduleux et a été condamné à 1 an de prison. Huit ans plus tard, la famille a été frappée par une tragédie. Leslie dort encore ? Le matin du 7 septembre 2008, Pat se rend compte que sa fille Leslie n'est pas descendue prendre son petit déjeuner. Leslie n'étant pas en bas, Pat est monté à l'étage et est entré dans la chambre. Leslie ? Allez ma chérie, nous t'attendons. Leslie avait été victime d'une forte crise d'épilepsie pendant la nuit et était décédée dans son sommeil. Elle n'avait que 40 ans. Sachant à quel point Pat et Bob s'occupaient de Leslie, lorsqu'elle est décédée, ils ont été tous les deux complètement bouleversés et dévastés.
Bien que Bob et Pat aient atteint la soixantaine et soient maintenant à la retraite, ils étaient très dévoués envers leur petit-fils Daniel, âgé de 12 ans, et insistèrent pour qu'il reste vivre chez eux. À l'époque, on a suggéré à Pat et Bob que Daniel soit placé en foyer. Mais connaissant Bob, cela ne saurait jamais arriver. Bob et Pat ont fini par accepter que Daniel passe un jour ou deux par semaine avec un accueillant familial nommé Fergus. Il a tout ce qu'il faut. À plus. Pat avait ses habitudes, et chaque fois que Daniel rentrait à la maison, elle se tenait à la fenêtre en attendant l'arrivée du bus. Bob laissait la porte d'entrée ouverte, ou se rendait au bout de l'allée en pantoufles, et attendait que le bus ramène Daniel à la maison. Après le décès de Leslie, Bob et Pat ont modifié leur testament, car elle n'était plus bénéficiaire. Stephen avait proposé de prendre la tutelle de Daniel, au cas où quelque chose arriverait à Bob et Pat. À sa sortie de prison, Stephen, qui utilisait également le pseudonyme de Nick Seddon, a exercé plusieurs emplois. Malheureusement, il n'en a gardé aucun, et en 2011, il s'est retrouvé au chômage. Avec trois enfants à charge, il s'est tourné vers ses parents pour obtenir une aide financière. Bob a libéré le capital de sa propre maison pour permettre à son fils et à sa famille d'avoir une maison à eux, et il a donné 22 500 livres pour un dépôt sur leur maison et 23 000 en espèces pour permettre à Stephen de rebondir. Peu importe à quel point Bob et Pat avaient été fâchés contre lui, il était désormais leur unique enfant et ils étaient heureux de l'aider. Ils aimaient passer du temps avec leurs petits-enfants et voulaient donc qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin. En mars 2012, Stephen a invité ses parents et son neveu à manger. Il a loué une voiture dans le nord-est et a parcouru 200 km jusqu'à Sale. Il a expliqué qu'il voulait remercier ses parents pour leur générosité et célébrer la fête des mères en retard. Ce n'est pas sa voiture. Elle est belle, n'est-ce pas? Vous allez bien? Tu as l'air en pleine forme, chérie, ça va? Pas trop mal. Et vous, ça va? Allez, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Ça va, papa? Ça va, fiston? Oui, ça va. Ça va, Daniel? Ouais. Super. Allez. On est tous là? Je crois que oui. Allez, attachez-vous. D'accord, chérie. La sécurité avant tout. Stephen, où est ta voiture? Rien de grave. Elle est juste au garage en ce moment. C'est juste un mauvais timing. C'est une belle voiture, pas vrai, mon chéri? Mais sur le chemin du restaurant, une catastrophe est survenue. Alors que Stephen prenait un raccourci, tournant pour longer le canal Bridgewater, il a soudainement serré sa main contre sa poitrine et a semblé se déconcentrer. Ralentis, Stephen. Stephen. Stephen, ralentis, tu vas. Stephen a perdu le contrôle de la voiture, plongeant sa famille et lui-même dans le canal sombre et froid. Bonjour, bonjour, je suis en train de remonter le canal Road à Timperley, à Manchester, et une voiture vient de tomber dans le canal. D'accord. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Personne n'est sorti. Ils se sont littéralement dirigés vers moi, sans s'arrêter, puis ils ont fait une embardée et sont tombés dans le canal. La police a reçu un appel signalant qu'une voiture où se trouvaient des passagers était tombée dans le canal à Timperley. Il y a des gens à l'intérieur? Oui, je crois qu'ils sont coincés. De jeunes présents sur les lieux ont vu Stephen s'échapper de la voiture et se hisser sur le toit. Oh.
Les deux jeunes garçons qui se trouvaient sur les lieux ont vu Stephen grimper sur le toit de la voiture, puis ils l'ont vu essayer de briser la vitre avec ses pieds. Les témoins nous ont ensuite dit que Stephen avait été vu en train de retourner dans l'eau et d'aider son neveu Daniel à sortir de la voiture et à rejoindre la berge. C'est alors que la police est arrivée sur les lieux. Il est ensuite retourné à la voiture et a aidé son père à sortir. À ce moment-là, la police a été appelée pour secourir son père, le sortir de l'eau et le ramener sur la berge. Accrochez-vous. Allez, allez. Allez garder la tête hors de l'eau. Continuez à avancer. Nous étions dans le camion de pompiers pour faire de la sécurité incendie quand nous avons entendu un appel pour une voiture dans le canal. Quand j'en ai entendu parler, j'ai trouvé ça inhabituel. C'est le genre d'accident qui ne se produit qu'une fois dans une vie. Il y avait un homme à côté de la voiture. Il était complètement frénétique, il s'agitait dans l'eau et nous criait de venir et de sortir sa mère de l'arrière de la voiture. Ma mère est coincée dans l'eau, je ne peux pas la sortir. Nous voulions le sauver en premier pour pouvoir nous concentrer sur sa maman. Les pompiers ont été confrontés à un problème très sérieux. La voiture était sur le point de couler. Lorsqu'un véhicule est pris dans l'eau, le simple poids de l'eau qui agit sur les portes fait qu'il est physiquement impossible de les ouvrir. Pour accéder à Pat, ils ont dû briser la vitre arrière, ce qui a accéléré la descente de la voiture. Lorsqu'ils ont sorti Pat de l'eau, elle était déjà dans l'eau depuis quelques minutes et son cœur s'était arrêté. Pendant que les pompiers sortaient Pat du canal, la police recueillait les déclarations de Stephen et de son père, Bob, qui attendait anxieusement sur la rive du canal. Il a eu une crise ou quelque chose comme ça. J'ai commencé à ressentir des douleurs dans la poitrine, puis je me suis accroché. Stephen expliquait au secours qu'il avait souffert de douleurs thoraciques juste avant l'accident et que c'était la cause de celui-ci. Ce faisant, il s'est serré la poitrine et s'est écroulé sur le sol. Après s'être effondré, Stephen a été transporté à l'hôpital pour y être examiné. Il a subi de nombreux examens cardiaques qui, heureusement, se sont tous révélés normaux. Si Stephen s'en est sorti relativement indemne, Pat était dans un état critique et a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Stephen. Ça va, maman ? Stephen. Bien que le cœur de Pat se soit arrêté lors de l'accident, je suis heureux de dire qu'elle s'est rétablie en quelques jours et que la famille a pu de nouveau être réunie chez eux. Cela est dû en grande partie à Stephen, qui a sauvé son père et son neveu. Vous avez sauvé votre famille, pas vrai ? Stephen a été salué comme un héros local. Non, je ne suis pas un héros, pas vrai ? J'ai juste sauvé les gens que j'aime. J'ai fait ce qu'il fallait, vous comprenez ? Mais seulement 3 mois et demi après ce terrible accident de voiture, une nouvelle tragédie allait frapper la famille. Vous avez sauvé votre famille, pas vrai ? En mars 2012, Stephen Seddon a été salué comme un héros pour avoir sauvé son neveu et son père, après que sa voiture ne soit tombée dans le canal Bridgewater à Manchester. Je l'ai juste attrapé et je l'ai sorti de là. Après avoir été dévasté par la perte de leur fille Leslie 4 ans auparavant, le couple est tombé en dépression à la suite de l'accident. Pat et Bob ont lutté pendant les quelques mois qui ont suivi, essayant de tirer un trait sur le passé. En juillet 2012, Fergus, l'accueillant familial de Daniel, s'est présenté au domicile de Bob et Pat pour le déposer, mais personne ne lui a ouvert. À 16h30, le 6 juillet, la personne qui s'occupait de Daniel a appelé les secours.
Je suis accueillant familial de courte durée pour un enfant. Je n'ai pas pu le déposer chez lui parce que ses grands-parents ne répondent pas. Je viens de passer par derrière. J'ai vu son grand-père et on dirait qu'il a une arme à la main. La police s'est rendue chez eux et elle a découvert Pat, gisant dans le couloir, manifestement blessé par un coup de fusil de chasse à la tête. Bob se trouvait dans le salon arrière, affalé sur le canapé, la poitrine clairement blessée par un fusil de chasse et un fusil à deux canons sur les genoux. La police du Grand Manchester pensait avoir affaire à un meurtre, suivi d'un suicide. La première impression sur la scène était qu'il s'agissait d'un meurtre-suicide. C'est-à-dire que Bob avait tiré sur sa femme Pat avant de se tirer une balle. Mais l'ami et ancien collègue de Bob, Stephen Forsett, avait du mal à croire à cette théorie. J'ai reçu un appel, me demandant si j'avais entendu parler de Bob. On m'a dit qu'il avait tué sa femme, et qu'il s'était ensuite suicidé. Et je ne pouvais pas y croire, ça a été un choc. Surtout que Daniel allait se retrouver seul, et ça cadrait pas avec l'image que j'avais de Bob et Pat. Les détectives devaient s'entretenir avec les proches du couple. Il a rapidement été établi que le couple avait un fils appelé Stephen qui vivait dans le nord-est. Et nous devions le contacter dès que possible. Stephen Seddon, un problème? Puis-je entrer, monsieur? Lorsqu'il a appris la nouvelle, Stephen s'est effondré en larmes. Puis il a eu un moment d'hésitation. Qui va payer l'hypothèque? Stephen a commencé à exprimer ses inquiétudes au sujet de la maison et a parlé de la façon dont il allait s'en sortir financièrement. La réaction de Stephen à l'époque était plutôt inhabituelle. Mais lorsque vous annoncez à quelqu'un que quelque chose d'aussi grave est arrivé à ses parents, il est difficile de savoir comment les gens vont réagir. Comptez-vous aller à Manchester? Non, je ne peux pas aller à Manchester. Je peux boire un verre? Il était très important pour nous d'établir les circonstances de la mort de Pat et Bob. Nous avons fait venir sur les lieux un pathologiste et un expert en balistique pour qu'ils puissent vérifier la théorie selon laquelle il s'agissait bien d'un meurtre-suicide. Une équipe médico-légale est venue sur place. Pendant ce temps, des officiers ont fait du porte-à-porte et ont vérifié les antécédents et les examens médicaux du couple. Les détectives ont rapidement réalisé une avancée médico-légale dans leur enquête. Les pathologistes experts en balistique ont pu établir que le coup de feu qui avait tué Bob n'était pas un coup de feu qu'il avait tiré lui-même. La taille de la trace de tir sur sa poitrine indiquait que l'arme devait se trouver à au moins 1,5 mètre de lui, ce qui prouvait qu'il n'avait pas tiré lui-même. Tenant compte de cette distance, il était donc impossible que Bob ait tiré avec cette arme et se soit tiré dessus. Le deuxième élément qui confirme qu'il ne s'agit pas d'un suicide est le fait que l'arme a été retrouvée soigneusement placée sur les genoux de Bob. S'il avait tenu une arme à distance pour se tirer dessus, le recul à lui seul aurait éloigné l'arme et elle se serait retrouvée quelque part sur le sol. Les médecins légistes qui ont analysé l'arme ont fait une autre découverte qui confirme cette théorie. Deux personnes avaient été tuées, et dans le fusil, il y avait une balle tirée, une balle non tirée. Et aucune autre n'avait été retrouvée dans la maison. Une fouille minutieuse de l'ensemble de la propriété est alors entreprise pour trouver cette cartouche de fusil de chasse, mais elle est restée introuvable. L'auteur du meurtre avait enlevé cette cartouche de fusil de chasse en quittant les lieux. Nous sommes passés de ce que nous pensions être un suicide domestique à un double meurtre avec un criminel en liberté. Intéressant. Lors d'une enquête de routine, les agents ont parlé au médecin de Bob, qui les a informés d'une conversation qu'ils avaient eue lors d'une consultation récente. Bonjour Bob. Bonjour docteur. Asseyez-vous. Le médecin s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Bob lui a dit « Vous n'allez pas me croire ». Bob a poursuivi en disant que certaines choses à propos de cet accident l'avaient vraiment inquiété. Il avait mis un anti-vol bloc volant dans la voiture, alors qu'elle était toute neuve et n'avait pas besoin d'un tel dispositif. Bob a dit que lors d'une récente visite chez son fils dans le Nord-Est, il avait remarqué qu'il avait enregistré un documentaire qui montrait comment sortir d'un véhicule submergé. Bob lui a dit qu'il pensait que son fils avait essayé de le tuer lors de l'accident dans le canal en mars. Le médecin a eu du mal à comprendre l'inquiétude de Bob, mais il a constaté qu'il était extrêmement désemparé face à tout cela. Cela a été très important pour nous.
Pour la première fois, Stephen a commencé à apparaître comme un suspect potentiel. Nous avons alors demandé à la police du Nord-Est de l'arrêter et il a été amené à Manchester. Stephen Seddon, oui, un problème. Je vous arrête parce que vous êtes soupçonné du meurtre de Robert et Patricia Seddon. C'est mes parents. J'aurais jamais fait ça. Vous vous trompez. Stephen a été emmené au poste de police de Pendleton, où elle n'a eu que 24 heures pour l'interroger. Une fois que nous avons décidé que Stephen était suspect dans cette affaire, dès que vous le déclarez et que vous arrêtez quelqu'un, l'horloge se met à tourner. La pression était à son comble pour obtenir des informations, afin d'être bien préparé pour les auditions lorsqu'il arriverait. Il est devenu crucial pour l'enquête d'établir l'heure du décès de Pat et de Bob, afin de pouvoir déterminer où se trouvait Stephen à ce moment-là. Nous savions déjà que Bob avait vu le médecin le mardi 3 juillet, et d'après nos enquêtes, Pat et Bob étaient un couple avec une routine réglée comme du papier à musique. Le mercredi soir, Bob sortait les poubelles pour la collecte du jeudi. Cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Pat faisait sa lessive tous les jours, elle faisait le blanc en premier. Puis elle mettait en route une machine de foncer. Le mercredi, les voisins ont dit avoir vu Pat étendre son linge blanc le matin, mais ils ne l'ont jamais vu étendre son linge foncé. Des enquêtes approfondies de vidéosurveillance ont alors commencé, et l'une d'entre elles a montré des images d'un restaurant du coin où l'on pouvait voir Bob. Le mercredi 4 juillet, à midi et demi, il a acheté ce que nous pensons être son dernier repas, un fish and chips. Dans le cadre des enquêtes sur la preuve de vie, nous avons examiné la téléphonie du téléphone fixe de Bob et Pat. On a déterminé que Bob avait reçu un appel téléphonique des services sociaux pour s'organiser et que cela s'est terminé vers 12h24 ce jour-là. Le premier appel sans réponse arrive à 16h21. Un appel sans réponse ne signifie pas que quelqu'un est mort, mais ça nous a donné une fenêtre sur laquelle nous concentrer. À ce stade de l'enquête, nous savions comment Pat et Bob étaient morts, où ils étaient morts, à quelle heure, mais nous ne savions pas pourquoi ils étaient morts. On a demandé à Stephen pourquoi son père aurait tenu de tels propos à son médecin, ce à quoi il a simplement répondu. Sans commentaire. Il a insisté sur le fait qu'il était innocent et que nous nous étions trompés. Cette enquête n'a pas de sens. Voilà. Je n'aurais pas tué ma mère et mon père. Point. Vous vous trompez d'homme. Pendant cette phase de l'enquête, nous avons cherché à savoir qui pourrait vouloir la mort de Bob et Pat. Lorsque nous avons examiné le testament, il est apparu qu'à la suite du décès de leur fille, des modifications avaient été apportées et que Stephen était désormais leur unique bénéficiaire. Lors des auditions de Stephen, il n'a pas répondu à beaucoup de questions. Mais il parlait sans problème de ses déplacements la semaine où sa mère et son père avaient été assassinés. Stephen a expliqué aux enquêteurs qu'il avait emmené sa famille dans un camping à Fleetwood, le lundi 2 juillet, à environ 2h30 de route de leur domicile. Le mardi soir, Stephen s'est souvenu qu'il devait s'inscrire dans une agence pour trouver un emploi à Siam. Il a donc quitté Fleetwood tôt le mercredi matin pour rentrer chez lui. Je suis rentré à la maison et j'étais éclaté. J'ai donc bu quelques cappuccinos en attendant de pouvoir m'inscrire à 10h. Normal quoi. Puis je me réveille et d'un coup j'y pense, la voiture. La voiture est bloquée et la porte électrique du garage baissée. Je pouvais pas prendre la voiture. Sinon, j'aurais pu partir à la dernière minute. Stephen a expliqué qu'il s'était rendu à son rendez-vous à l'agence, après quoi il a retiré de l'argent à un distributeur, où il a dit qu'on pourrait le voir sur les caméras. Il est ensuite rentré chez lui pour le reste de l'après-midi, et il a dit qu'il avait encore dormi. Lorsque l'électricité a été rétablie en fin de soirée, il a pu récupérer sa voiture, se rendre dans un magasin, acheter de la bière, puis redescendre à Fleetwood pour rejoindre sa famille. Cela signifie que Stephen avait un alibi. Il s'est rendu à l'agence et au distributeur, a acheté de la bière chinoise et s'est rendu à Fleetwood dans l'après-midi. Ce qu'il n'avait pas, c'était un alibi entre ces deux moments, c'est-à-dire entre 11h et 16h30. La police a effectué des recherches sur le téléphone portable de Stephen. Et elles ont montré que le téléphone de Stephen était à Siam toute la journée. Cela a remis en question le fait qu'il soit suspecté du meurtre de ses parents. À ce stade, la police ne dispose d'aucune preuve permettant de dire que Stephen Seddon était sur la scène du crime à Sale. En fait, il se trouvait à plus de 230 km dans le nord-est et il n'avait pas accès à une voiture. En collaboration avec la police du comté de Durham, les agents ont été chargés de vérifier l'alibi de Stephen pour le mercredi 4 juillet.
les détectives ont rassemblé les images de vidéosurveillance. Ils ont pu déterminer que Stephen avait bien quitté le camping de Fleetwood tôt le mercredi matin, comme il l'avait dit. Le personnel de l'agence a confirmé le récit de Stephen selon lequel il s'était rendu à Siam pour son rendez-vous à 10h du matin. Et qu'il était arrivé à bout de souffle, parce qu'il avait dû courir pour arriver à l'heure. On a alors fait une grande avancée. En visionnant les images de l'agence, les agents ont vu une voiture s'arrêter et quelqu'un en sortir et se diriger vers l'agence. Sur une autre caméra, on voit ensuite une personne, manifestement Stephen Seddon, entrer dans le bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Stephen a quitté l'agence pour l'emploi, on l'a vu se diriger vers cette voiture. Très peu de temps après, on voit la voiture s'éloigner. Si Stephen avait une voiture ce jour-là, nous devions savoir quelle voiture c'était. Malheureusement, la qualité des images ne nous a pas permis d'identifier le véhicule. Mais nous avons découvert qu'un bus était passé pendant qu'il se trouvait dans l'agence. Heureusement, le système de vidéosurveillance et le bus avaient capturé une excellente image de ce véhicule. Le seul aspect négatif des images de vidéosurveillance du bus est que nous ne pouvions pas voir la plaque d'immatriculation. Nous n'avons donc pas été en mesure de l'intégrer dans nos systèmes. Ce que nous avons pu voir clairement, c'est qu'il s'agissait d'une BMW série 3 de couleur bleue, et nous devions vraiment établir si ce véhicule avait un lien avec Stephen. La police a commencé à interroger les proches de Stephen à Siam afin de recueillir plus d'informations. Une partie de l'enquête menée dans le Nord-Est a consisté à parler à toute la famille de Stephen Seddon. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Lors de l'entretien avec son beau-frère, celui-ci nous a indiqué que le matin du 4 juillet, Stephen lui avait téléphoné. Il lui a demandé s'il pouvait lui emprunter sa voiture pour se rendre à l'agence pour l'emploi. L'un des agents a remarqué que cette personne possédait une BMW série 3 bleue. Il s'agit d'un moment clé de l'enquête, car alors que Stephen nous avait dit lors de l'audition qu'il n'avait pas de voiture, il en avait manifestement une. La police savait qu'il fallait environ 2h30 pour aller de Siam à Sale, dans le Manchester. Nous avons déterminé que Bob et Pat avaient probablement été tués entre 12h30, après le dernier appel téléphonique reçu par Bob, et 16h21, l'appel téléphonique auquel ils n'ont jamais répondu. C'est ce que nous appelons la fenêtre d'opportunité. Si nous ne pouvions pas localiser Stephen Seddon ou le véhicule auquel il avait accès dans la région de Sale. À ce moment-là, il finirait par être mis hors de cause. Les enquêteurs à la recherche de l'assassin de Bob et Pat Seddon ont commencé à visionner les images de vidéosurveillance et à fouiller dans les systèmes de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation du Nord-Est et autour du Grand Manchester. Nous avons trouvé un véhicule similaire à la BMW bleue, circulant sur Manor Road, à proximité du domicile de Pat et Bob, vers 13h35. Nous avons ensuite trouvé d'autres images de vidéosurveillance, à 13h59, sur lesquelles la voiture s'éloignait de la maison familiale de Pat et Bob. À 14h03, le véhicule est repassé devant la supérette. J'ai alors reçu un appel m'informant que le système de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation avait détecté une BMW. Il s'est déplacé du nord-est à la région du Grand Manchester, et ce dans les délais que nous avons fixés pour les meurtres. Alors que Stephen était l'unique bénéficiaire de la succession de ses parents, on découvrait des incohérences dans ses auditions. Et les preuves montrant que la BMW bleue était dans la région de Manchester au moment du meurtre ont suffi à la police du Grand Manchester pour engager des poursuites contre lui. Mais il fallait plus de preuves pour le faire condamner. Tout au long de l'enquête, l'un des éléments que nous ne pouvions absolument pas écarter était ce que Bob avait dit à son médecin. S'agit-il d'une série d'événements très étranges, ou s'agit-il en fait de la première tentative de Stephen Seddon de tuer ses parents? Il y avait certainement beaucoup d'incohérences qui n'avaient pas été prises en compte auparavant et sur lesquelles nous nous sommes penchés. La témoin, qui a appelé les urgences, a déclaré qu'elle pensait qu'un chauffard était en train de rouler vers elle en raison de la vitesse à laquelle la voiture se déplaçait. Mais Stephen a affirmé qu'il avait perdu le contrôle de la voiture à cause de ses douleurs thoraciques soudaines et il était donc inconcevable qu'il ait roulé rapidement avant de tomber dans le canal. Il s'est avéré que Stephen avait un couteau dans sa poche, qu'il a utilisé pour couper sa ceinture de sécurité. Il avait également apporté un bloc volant cette nuit-là,
alors qu'il avait une voiture de catégorie supérieure, équipée d'une alarme anti-démarrage. Il a pu utiliser le bloc volant pour sortir de la voiture. Mais pour une raison ou une autre, il n'a pas utilisé ces deux dispositifs pour en faire sortir les autres. Les collégiens qui avaient assisté à la scène avec horreur ont affirmé qu'ils avaient dû crier à Stephen de descendre du toit de la voiture, parce qu'il la faisait s'enfoncer encore plus. Et lorsque Stephen a été sorti du canal, il a revécu l'accident avant de sembler s'évanouir. Ce soir-là, Stephen a subi un certain nombre d'examens médicaux pour son cœur, mais tout semblait aller pour le mieux. Lors de notre enquête sur l'accident du canal, nous avons discuté avec la société de location de voitures. Nous avons pu établir que Stephen avait non seulement loué une BMW, mais que quelques jours auparavant, il avait également loué un autre véhicule pour une fête de famille. La société de location de voitures nous a informé que Stephen avait souscrit une assurance accident lors de la location des véhicules, mais uniquement pour la voiture du canal. Entre les propos de Bob, concernant ses soupçons sur l'accident, les diverses explications de Stephen sur les causes de l'accident, son cœur qui allait bien, et l'assurance pour la voiture qui a, comme par hasard, fini dans le canal. Tout cela indique clairement que Stephen avait en mars de cette année-là tenté de tuer sa famille en la précipitant dans le canal. Il y avait trop de coïncidences pour que ce soit un accident. Le 12 juillet 2012, nous avons inculpé Stephen Seddon pour tentative de meurtre et meurtre de son père, Bob Seddon, et de sa mère, Patricia Seddon. La police du Grand Manchester a réussi à inculper Stephen Seddon, mais elle a dû rassembler beaucoup plus de preuves pour que le jury soit aussi convaincu de la culpabilité de Stephen. La police enquêtant sur la mort de Bob et Pat Seddon avait accusé leur fils Stephen de les avoir assassinés et d'avoir déjà tenté de les tuer en précipitant la voiture dans laquelle ils se trouvaient dans le canal de Bridgewater. Nous disposions désormais de suffisamment de preuves pour engager des poursuites contre Stephen Seddon, mais nous devions commencer à constituer le dossier pour le présenter au tribunal. Dans le cadre de notre enquête, nous avons parlé à tous ceux qui connaissaient Stephen à Siam. Peu avant la mort de Bob et Pat, Stephen a été au pub Mitchell Arms et a discuté avec la patronne. Sauf si vous trouvez vite un acheteur, je vais me perdre et perdre mon emploi. En entendant parler de cette opportunité, Stephen a décidé d'acheter le Mitchell Arms à Siam et de tenter sa chance en tant que propriétaire. Stephen est même allé jusqu'à rencontrer les propriétaires pour discuter de l'achat du pub. Les propriétaires croyaient en fait qu'il était financièrement viable, qu'il disposait de ses fonds et que l'achat allait se faire. La police a examiné de plus près la situation financière de Stephen. Les enquêtes sur les finances de Stephen nous ont montré qu'il n'avait qu'environ 5 livres sur son compte lorsque nous l'avons arrêté. Il était presque pauvre. Il bénéficiait d'allocations, alors que son père lui avait donné 23 000 livres quelques mois auparavant, et tout cet argent avait disparu. Et il était vraiment dans une situation difficile au niveau financier. Il n'avait aucune épargne et ne disposait certainement pas de fonds propres, lui permettant d'acheter un pub, tel que le Mitchell Arms. À ce stade, la police ne savait toujours pas comment un fusil de chasse à double canon s'était retrouvé au domicile de Bob et Pat. Il ne portait pas de numéro de série, ce qui posait problème. Nous avons donc commencé à examiner les cambriolages domestiques et à vérifier si une arme du même type avait été volée récemment. Et nous avons trouvé une dans un endroit appelé Crook. Nous avons apporté une photo de l'arme au propriétaire, qu'il a immédiatement reconnue sans l'ombre d'un doute. Ce qui est intéressant, c'est que Crook est un village du nord-est, situé à proximité de Siam. Comment cette arme s'est-elle retrouvée sur les genoux de Bob Seddon? Les derniers éléments de preuve que la police devait examiner étaient les relevés téléphoniques de Stephen le jour du meurtre. Les relevés téléphoniques nous apprennent que Stephen a téléphoné au domicile de Bob et Pat ce mercredi matin. Nous ne saurons jamais ce qu'ils se sont dit. Nous pensons que Stephen a téléphoné pour s'assurer que Bob et Pat étaient bien chez eux et pour connaître leur projet pour la journée. Lorsque nous avons enquêté sur les téléphones, j'ai vraiment été préoccupée par le fait que son téléphone se trouvait à Siam. Surtout que nous avons pu établir qu'il avait décroché depuis ce téléphone. C'était quelque chose qu'il pourrait utiliser comme moyen de défense lors du procès, pour dire que mon téléphone était à Siam, qu'il avait décroché depuis ce téléphone. Stephen recevait énormément de messages et d'appels, ce qui était habituel pour lui. Ce qui était inhabituel, c'est qu'il n'avait répondu à aucun de ses appels, sauf un.
Ce qui était étrange, c'est que nous savions à ce moment-là que le téléphone se trouvait à Siam, et nous pensions que Stephen était sur la route en direction du sud pour tuer ses parents. Comment a-t-on répondu au téléphone si Stephen n'était pas là? Ce qui était intéressant aussi, c'est que beaucoup de ces appels sans réponse provenaient de sociétés de crédit. Il s'est avéré que celui auquel il avait répondu venait d'une de ces sociétés. Nous avons trouvé quelles étaient ces entreprises et leur avons demandé si elles avaient enregistré ces appels, ce qui heureusement pour nous, était le cas. À ce moment-là, Stephen utilisait régulièrement le pseudonyme de Nick Seddon. Peut-on parler à Nick, s'il vous plaît? Rappelez plus tard. Il n'est pas disponible? Non. D'accord, nous l'appellerons plus tard. Plus tard. Nous avons pu récupérer un appel auquel Stephen Seddon avait répondu à une autre société de près quelques jours auparavant. Puis-je parler à Nick? C'est moi. Bonjour Nick, juste un petit appel. Nous pouvons procéder au prêt, si vous le faites aujourd'hui. Mais vous facturez de l'argent avant d'accorder le prêt? Nous facturons des frais pour vous garantir un prêt. Oui, j'ai déjà entendu ça, les escrocs racontent des histoires. Quand nous avons comparé ces deux audios, il est apparu que ce n'était pas la même personne. Les pièces du puzzle se sont enfin assemblées et la police du Grand Manchester a estimé qu'elle avait une idée claire de ce qui s'était passé le mercredi 4 juillet 2012. Ce que nous pensons, c'est que Stephen a emmené sa famille au camping à Fleetwood le lundi, afin qu'il soit hors de la région. Stephen savait qu'il devait être à l'agence pour l'emploi de Siam le mercredi matin, et il savait aussi que la société d'électricité allait couper le courant ce jour-là, car il a reçu une lettre quelques semaines plus tôt pour l'en informer. Il a garé sa voiture dans le garage, sachant qu'elle serait coincée à l'intérieur. Alors que Stephen nous a dit qu'il n'avait pas de véhicule, il a emprunté la voiture de son beau-frère et est allé à l'agence pour l'emploi avec. Des images de vidéosurveillance montrent que Stephen a retiré de l'argent. La BMW a ensuite été filmée alors qu'elle se dirigeait vers l'adresse d'un autre membre de la famille, où Stephen avait prévu de laisser son téléphone portable. Il s'est ensuite rendu à Manchester, faisant un détour sur le chemin pour acheter l'arme à un complice. Il est arrivé chez ses parents vers 13h40 et s'est faufilé par la porte arrière. Il a pointé l'arme sur son père, et avant qu'il n'ait eu le temps de se lever de la chaise, Stephen lui a tiré une balle dans la poitrine. Nous pensons que sa mère passait l'aspirateur à l'étage à ce moment-là, et qu'ayant entendu du bruit, elle est descendue pour voir ce qui se passait. Bob. Pendant ce temps, Stephen a rechargé l'arme en retirant la cartouche vide qu'il a gardée. Il a ensuite coincé sa mère dans le couloir. Oh mon Dieu, non. Stephen a ensuite placé l'arme sur les genoux de son père décédé pour donner l'impression que c'était lui qui avait tiré. Stephen a ensuite quitté la maison et est retourné à Siam. De retour à Siam, Stephen s'est rendu dans un parc d'activités commerciales où il a rencontré un membre de sa famille pour récupérer son téléphone. Il est rentré chez lui et quand l'électricité est revenue, il a récupéré sa voiture dans le garage. On le voit ensuite se rendre dans un magasin où il achète de la bière. On l'aperçoit en train de discuter sur son téléphone. Il s'est arrêté à une station-service pour faire le plein avant de continuer vers Fleetwood. Le procès de Stephen a débuté le 20 février 2013 et s'est tenu à la Manchester Crown Court où il a plaidé non coupable. Il a expliqué sa présence à Manchester le mercredi 4 juillet, en disant qu'il consommait de la drogue près de la maison de ses parents quand ils ont été assassinés. Il s'agit d'une affaire très difficile, car il faut convaincre 12 jurés qu'un fils a été capable d'assassiner sa mère et son père, et que le mobile est l'argent. Stephen Seddon était un vendeur. C'était un escroc, il manipulait les gens. Et on craignait qu'il parvienne à convaincre suffisamment de membres du jury qu'il était innocent. 35 jours après le début du procès, le jury a rendu sa décision. Après 18 heures de délibération, le jury a déclaré Stephen Seddon coupable du meurtre et de la tentative de meurtre de ses parents. On l'a condamné à une peine de 40 ans, sans libération conditionnelle. Lorsque le verdict a été prononcé, j'étais très très content. Il pensait vraiment qu'il était plus intelligent que la police et qu'il allait s'en tirer. Pour Stephen, c'est que l'argent. Il ne veut que de l'argent. On dit que l'argent est la cause de tous les maux. Dans ce cas, cela se voit. Si Stephen s'en était sorti,
et avait empoché l'argent, combien de temps cette somme lui aurait-elle duré? S'il l'avait dépensé comme l'argent que son père lui avait donné. Au bout de 18 mois, 2 ans, il n'aurait plus rien eu. Bien que l'affaire ait été résolue, les inspecteurs étaient toujours préoccupés par les victimes. Nous espérions qu'au moment où ils avaient été tués, Bob et Pat n'avaient pas compris que c'était lui, qu'il portait un masque, une cagoule, ou quelque chose comme ça. Parce que l'idée qu'ils aient à ce moment-là reconnu leur fils comme la personne derrière l'arme est d'une horreur inouïe. Bob et Pat, vous savez, c'était des gens adorables. Ils avaient travaillé dur toute leur vie, ils s'étaient occupés de toute la famille, et qu'une chose pareille arrive à des gens aussi charmants. C'est choquant, c'est abominable. Il n'y a pas pire.